Oui, je suis d'origine allemande et de nationalité allemande, mais j'ai eu un parcours franco-allemand, c'est-à-dire j'ai étudié l'histoire et la philologie romane, français et espagnol, en Allemagne, à l'université de Mayence et après à l'université de Bayreuth. Et entre-temps, j'ai fait des études en France, à l'université de Tours et pour le doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales, où j'ai fait un doctorat en histoire. Pourquoi j'ai fait un doctorat? Parce que ça m'a toujours passionné, la recherche m'a toujours passionné, ça m'a toujours intéressé, je voulais toujours faire de la recherche, enseigner à l'université, et c'est pour ça que j'ai fait un doctorat, ou plutôt deux doctorats, parce que j'ai fait un doctorat en Allemagne en philologie romane, et un autre doctorat en France en histoire à l'école des hautes études et en sciences sociales. Et après, un doctorat d'État en littérature francophone à l'université de Bayreuth. Oh, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons familiales et personnelles. C'est un peu dû à hasard aussi. Ma famille, il faut dire qu'elle est d'origine huguenote, c'est-à-dire mes ancêtres lointains sont venus du sud de la France, c'est-à-dire de la région de Toulouse à la fin du XVIIe siècle. Donc il y a cette tradition francophile dans ma famille. Puis il y a des raisons personnelles. Quand j'étais au lycée, j'ai poursuivi ou j'ai fait partie d'un échange scolaire avec un lycée à Paris-Vincennes. Et ces gens-là étaient très intéressants de plusieurs points de vue, d'un point de vue politique, d'un point de vue littéraire et culturel. Et ils m'ont ouvert des horizons, de nouveaux horizons. C'est-à-dire, à ce moment-là, en plus, c'était en 68, avant les événements de 68. L'échange scolaire, c'était en avril 67, après en avril 68, et de nouveau en 70. C'est à ce moment-là que je me suis décidé pour des études d'histoire et de français, et non pas pour des études d'économie ou de chimie, parce qu'au début j'avais l'intention de faire des études d'économie ou de chimie, plutôt de chimie, parce que mon père était ingénieur, il m'a toujours orienté vers ce domaine-là. Alors c'était une sorte de rupture. Donc un peu le hasard des choses. Qui m'ont incité à m'intéresser plus pour la France que pour d'autres matières. Ben là aussi, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est, premièrement, ben, le 18e siècle m'a intéressé parce que je me suis beaucoup intéressé pendant mes études d'histoire à la Révolution française. Et quand on s'occupe de la Révolution française, on se demande d'où est-ce qu'elle vient, comment ça s'explique, cette irruption intellectuelle, sociale et politique. Et donc je me suis penché pendant mes études déjà sur les antécédents, sur le siècle des Lumières, sur l'impact des philosophes. Ça, c'est une première raison. L'autre raison, c'est quand j'étais au lycée, j'étais très fasciné par la littérature engagée, notamment par Sartre et Camus. C'était mes lectures préférées quand j'avais 15-16 ans. Et quand on s'occupe de littérature engagée et de philosophie engagée, forcément, on se tourne aussi vers le 18e siècle, parce que c'est la première période où le rôle de l'intellectuel a émergé, où la littérature a eu un impact social, où la littérature a été conçue comme engagée, même si le terme de littérature engagée est venu plus tard, comme le terme d'intellectuel également. Donc ça, c'est les raisons liées à la discipline, liées à certaines fascinations aussi. Et puis, il y a toujours aussi des raisons personnelles. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient de grands maîtres dans ce domaine des études de la littérature du XVIIIe siècle et de l'histoire aussi. J'aimerais mentionner Jean-Marie Goulmeau, qui est décédé l'année dernière, qui était
mon enseignant, professeur à l'université de Tours, Daniel Roche, avec qui était mon directeur de thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, qui était après au Collège de France, et en Allemagne, Janosch Ries, dont j'étais l'assistant après à l'université de Bayreuth, qui étaient tous des spécialistes dans des domaines très divers du XVIIIe siècle, donc qui ont contribué à ma fascination pour ce siècle et qui m'ont incité à faire une thèse sur le XVIIIe siècle. Mon sujet de thèse était d'ailleurs les représentations de la criminalité au XVIIIe siècle. Littéraire pour la thèse en Allemagne et historique sur les concours académiques, notamment pour la thèse française. On peut d'abord dire que c'est une sorte de prolongation de mon intérêt pour les intellectuels européens. Il ne faut pas oublier que Sartre a été le préfacier de l'anthologie quel est le titre exact ? L'anthologie de la littérature nègre et malgache en 1948. Donc c'est Sartre qui a préfacé cette anthologie-là, qui a lancé, on peut dire, qui a contribué à lancer cette littérature dans le champ culturel français, qui l'a légitimé aussi. Donc c'est mon intérêt pour les intellectuels africains vient de là aussi, c'est-à-dire de mon intérêt pour Sartre, pour la littérature engagée. Et puis entre 1979 et 1988, j'étais assistant de Janosch Ries, que je viens de mentionner, qui a fondé la première chaire en littérature africaine en Allemagne. Donc j'étais un de ses assistants. On a accueilli beaucoup d'intellectuels africains à l'époque, Wole Soyinka, Ngugi Wa Thiong'o, Henri Lopez, Léopold Sédar Senghor. Ils sont pratiquement tous venus à Bayreuth à l'époque, et donc j'ai eu l'occasion de les connaître personnellement, de discuter avec eux, de travailler sur eux après. Bachir Souleymane Diagne aussi, elle est venue comme chercheur invité. Donc tous ces gens-là sont venus, et je crois que c'était une autre raison, ce cadre institutionnel des études africaines interdisciplinaires à Bayreuth qui ont forgé mon intérêt pour les intellectuels africains. Oui, d'abord, ce qu'on pourrait appeler la dynamique de ce champ de l'espace public colonial. L'espace public colonial est constitué de médias, de forums de discussion, d'institutions culturelles également et académiques également. Donc c'est ça qu'on entend par espace public. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est dans quelle mesure cet espace public colonial en Afrique occidentale française, a été créé par le pouvoir colonial avec des visées coloniales, c'est-à-dire de gouverner un espace intellectuel aussi. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir dans quelle mesure cet espace-là a été utilisé, détourné, utilisé comme plateforme de revendication. C'est-à-dire des journaux comme le phare du Dahomey, dont je me suis occupé à l'époque, même Dakar, ou des journaux comme Paris-Dakar ou Dakar Jeune, ont été pas seulement des médias d'information coloniale, comme on aurait pu le présupposer, mais successivement et de plus en plus aussi des forums de revendication et d'expression intellectuelle africaine. C'est ça qui m'a intéressé. C'est un premier point. Et l'autre point, j'ai constaté en travaillant sur la presse coloniale à l'époque, j'ai écrit une partie de ma thèse d'état là-dessus et un autre livre qui est paru plus tard, en 2002, je crois, sur la conquête de l'espace public colonial, j'ai constaté qu'une bonne partie de la littérature africaine, à peu près entre 85 et 90%, sont pas parues sous forme de livres, mais sont parues sous forme d'extraits, de poèmes, même de pièces de théâtre, etc., d'essais dans la presse coloniale de l'époque. Donc c'était un forum important d'émergence et de diffusion de la
de la littérature africaine francophone naissante. Bon, je vais en parler tout à l'heure pendant plus d'une heure, mais juste pour résumer quelques points. Je crois que la première chose qui me paraît importante, c'est que la France coloniale est différente et s'est présentée de manière différente par rapport à d'autres puissances coloniales. Elle avait dès le début, pas dès le début, mais dès les débuts de la Troisième République, l'ambition de diffuser un savoir, de faire connaître aussi les idéaux républicains dans ces colonies. On fêtait les 14 juillet, par exemple, on lisait en partie les mêmes livres scolaires, on lisait des intellectuels dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, etc., étaient lus également dans l'enseignement colonial français à l'époque, qui s'est lentement développé, mais la France était quand même la première puissance coloniale en Afrique de l'Ouest qui a créé des institutions universitaire au niveau supérieur, c'est-à-dire à partir de 1913 avec l'école William Pondy. Donc c'est ça qui m'a intéressé, cette ambition de la France républicaine et coloniale d'implanter certains idéaux démocratiques outre-mer, dans ces colonies. Tout le monde sait que la réalité coloniale était très différente, était en contradiction, et ça c'est le deuxième aspect qui m'a intéressé, c'est-à-dire les intellectuels africains, les écrivains africains de la première génération, Senghor aussi, dont je vais parler tout à l'heure, Dadier, etc., ont mis l'accent sur ces contradictions entre idéologie républicaine et démocratique et réalité coloniale, d'où une prise de conscience, d'où le développement aussi d'une culture politique démocratique dans certains milieux très limités, mais quand même très influents par la suite, parce que c'est aussi la première génération des hommes politiques en Afrique, en partie, ces gens-là. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et un troisième point qui m'a intéressé, dans quelle mesure c'est cette prise de parole politique et cette prise de conscience politique a développé une dynamique qui n'était pas du tout intentionnée, qui n'était pas du tout voulue par le pouvoir colonial. Deux exemples, Sékou Touré était quelqu'un, c'est lui le premier président de la Guinée, qui a rompu avec la France en 1958. C'est quelqu'un, quand on lit ses mémoires et ses écrits, qui a été fortement imprégné par l'idéologie républicaine, par l'enseignement français. Bon, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est Ho Chi Minh. On oublie souvent que le leader de la révolution vietnamienne a passé une partie de sa vie dans les années 20 en France, qu'il était membre du Parti communiste, qu'il a participé à des journaux communistes, c'est-à-dire lui aussi est passé par ce qu'on pourrait appeler une socialisation politique française, mais de gauche, communiste. Mais la France est aussi de gauche et communiste, c'est pas seulement une France coloniale et répressive. C'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire cette dynamique qui mène finalement dans de nombreux cas à des prises de position anticoloniales et qui se retournent contre la France. La France qui a éduqué ces gens-là, entre guillemets, qui a contribué à leur socialisation politique, se voit fondamentalement mise en cause par ces intellectuels africains, vietnamiens, antillais également, si on pense à Glisson et à Césaire. Voilà, c'est ça qui... Bon, il y a beaucoup d'autres points dont je vais parler tout à l'heure, mais voilà quelques éléments. J'ai écrit quelques articles pendant ces 20 dernières années là-dessus, sur les expositions coloniales françaises, c'est-à-dire à Marseille, après à Paris, 1931, Marseille 1906, 1922.
Et puis, j'ai travaillé aussi sur les expositions universelles. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a intéressé? Bon, il y a plusieurs sujets qui m'ont intéressé. Un premier sujet, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la dialectique entre exposition et prise de parole. Les expositions coloniales ont servi à montrer la grandeur, entre guillemets, des puissances coloniales, dont la France, qui voulait montrer son œuvre civilisatrice, qui voulait montrer les progrès faits par les populations dans tous les domaines. Ça m'a intéressé, comment est-ce que la France s'est présentée dans ces expositions-là. Mais ce qui m'a intéressé en second lieu, c'était de voir aussi comment cette mise en scène nationale et coloniale a été mise en cause par les concernés. Et c'était le cas essentiellement à partir de 1937, mais aussi déjà en 1931. C'est-à-dire, moi, j'ai regardé quels étaient les participants africains qui ont été invités aux expositions coloniales et en 1937 aussi à ce premier grand congrès sur l'évolution des peuples coloniaux qui a été organisé en parallèle à l'exposition universelle de 1937. Et quand on analyse leurs témoignages, ceux qu'ils ont publiés dans la presse coloniale, par exemple dans le phare du Dahomey, dans Dakar Jeune, etc., et ceux qu'ils ont publiés dans les actes du congrès sur l'évolution des peuples coloniaux en 1937, on voit qu'il y a une prise de parole qui va de pair avec une mise en cause plus ou moins radicale du dispositif des expositions coloniales d'une part et d'autre part avec la colonisation tout court. Des gens comme Paul Azoumé, par exemple, grand écrivain dahoméen, a fait partie de la délégation officielle de l'AOF en 1931 pour aller à Vincennes. Et lui, après, dans ses articles publiés au Dahomey, il a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette mise en scène qui présentait les Dahoméens et les Africains tout court comme des gens encore à un stade de civilisation inférieur. On présentait des artisans, on présentait des paysans, mais il se posait la question, mais nous, on est où, nous, intellectuels africains, enseignants africains, on est présentés où? Donc il y a toute une prise de parole qui a été générée comme réaction par rapport à ces expositions coloniales et universelles. Bon, ça c'est un aspect. L'autre aspect qui m'a intéressé, parce que j'ai écrit aussi un article sur la mise en scène de la Chine et du Japon dans les expositions universelles autour de 1900, c'était de voir dans quelle mesure de grandes puissances à l'époque indépendante du monde non européen se sont présentées dans les expositions universelles. Comment est-ce qu'ils essayaient de suivre un modèle de civilisation, de montrer qu'ils étaient eux-mêmes aussi en partie déjà au stade des grandes puissances européennes, ou bien s'ils mettaient l'accent sur leurs différences. C'est ça qui m'intéressait. D'ailleurs, il y a eu des modèles assez différents. La Chine s'est plutôt présentée comme une puissance très différente, avec des valeurs très différentes, tandis que le Japon, à l'époque, s'est beaucoup orienté vers le modèle occidental de civilisation et de développement industriel. C'était une des conclusions que j'avais tirées. J'avais analysé les expositions de 1900 et à Paris, de 1889 à Paris et de 1902, je crois, à Saint-Louis. Donc j'avais comparé différentes expositions universelles, oui. Bon, la méthodologie, en ce qui concerne la méthodologie, il faut dire que je suis toujours cette conception chère à Michel Foucault, qui considère la méthodologie comme une boîte à outils pour répondre à des questions précises qui sont situées dans des champs de recherche précis. C'est-à-dire, la méthodologie dépend des champs, des objets qu'on analyse et des questions qu'on pose.
Alors, quand je regarde ce que j'ai fait pendant ces dernières décennies, parce que j'enseigne à l'université depuis 1979, ça fait déjà un bout de temps, ça a changé. Ça dépendait des objets dont je me suis occupé, mais aussi certaines continuités. Et moi, je dirais qu'il y a peut-être trois continuités. D'une part, mon intérêt pour l'analyse du discours, parce que j'ai eu la chance, quand j'ai fait mes études doctorales, de fréquenter les cours de Michel Foucault au Collège de France à l'époque. Donc, j'étais très influencé par lui, par son approche d'analyse du discours. Donc, ça, c'est une certaine continuité. L'autre continuité, c'est mon intérêt pour les transferts culturels. C'est-à-dire pour la question, qu'est-ce qui se passe quand des artefacts culturels, littéraires et culturels dans un sens très large, sont transférés d'une ère culturelle à une autre? Comment ils sont appropriés, comment ils sont modifiés, comment ils changent de fonction? Donc ça concerne des objets très différents. Ça peut concerner des textes littéraires, par exemple, toute la question des réécritures qui m'occupe toujours. Je vais organiser l'année prochaine à Paris, avec deux collègues français et polonais, un colloque sur les réécritures francophones, c'est-à-dire comment des textes métropolitains français ont été réécrits dans les cultures francophones hors d'Europe. Par exemple, les fables de La Fontaine ont été créolisées, réécrites dans les contextes africains et antillais. Ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est un autre domaine qui m'intéresse toujours, les transferts culturels. Et un troisième domaine, c'est le problème de la traduction, qui est lié à celui des transferts. Qu'est-ce qui se passe quand on traduit des textes? Quelle est l'importance des textes traduits dans une culture ou traduits vers d'autres cultures? C'est une sorte de questionnement permanent et aussi un questionnement méthodologique permanent. Alors, sur quoi je travaille actuellement? Bon, je travaille surtout dans deux champs. D'une part, ce qui m'intéresse actuellement, c'est les réécritures francophones. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et là, je travaille essentiellement sur le Québec et sur l'Afrique francophone africaine. Et ce qui m'intéresse d'autre part, avec une collègue, comme champ de recherche, je travaille sur les traductions des encyclopédies au XVIIIe siècle. C'est un projet de recherche interdisciplinaire que je mène, dont je m'occupe avec une collègue de l'université de Regensburg, c'est-à-dire qui a deux niveaux méthodologiques. D'une part, c'est un. Ou trois niveaux. D'une part, on établit une bibliographie complète de toutes les traductions d'encyclopédies au XVIIIe siècle. Vous pouvez d'ailleurs la consulter. C'est à l'université de Regensburg, encyclopedia.de. Deuxième point, on analyse à travers des études de cas comment des ouvrages encyclopédiques, par exemple l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert ou le dictionnaire historique et critique de Bell, ont été traduits dans d'autres langues, adaptés, enrichis, révisés, etc., lus différemment. Donc ça, c'est un deuxième axe qui nous intéresse. Dans ce cas-là, parce que pour un public restreint, évidemment, il y a des introductions à la communication interculturelle, mais ce n'est pas pour le grand public, parce que souvent, c'est très spécialisé. J'en ai écrit moi-même un ouvrage de référence un peu en Allemagne, qui en est à la 4e édition maintenant, mais je ne sais pas si je peux le recommander au grand public. Donc, au grand public, je recommanderais plutôt des ouvrages fictionnels, parce que les ouvrages fictionnels peuvent être une excellente introduction à la problématique de l'interculturel, aux conflits qui sont générés par la rencontre entre des personnes de différentes cultures. Et là, à quoi je pourrais penser? Il y a un roman que je trouve fascinant, auquel j'ai consacré aussi plusieurs articles,
écrit par une écrivaine d'origine libanaise qui a émigré au Québec et qui s'appelle Abla Faroud, Abla, A-B-L-A, Faroud, F-A-R-H-O-U-D, et le roman s'appelle « Le sourire de la petite juive ». C'est un roman qui se passe dans un quartier de Montréal, très multiculturel, où des juifs orthodoxes, mais aussi d'autres gens vivent, mais c'est un des quartiers principaux des juifs orthodoxes à Montréal. Et ce roman raconte comment des gens d'une quinzaine de nationalités et de cultures vivent ensemble, comment ils communiquent et quels sont aussi les conflits qui émergent. Donc, je trouve ça, c'est une excellente introduction à la communication interculturelle de lire ce roman-là. Bon, d'abord, il y a plusieurs introductions. En allemand, il y a la mienne. Il y a en français l'ouvrage de Jacques Patteau. Ça dépend à quel domaine on s'intéresse. Est-ce qu'on s'intéresse aux études? Est-ce qu'on s'intéresse à la communication interculturelle dans l'interaction quotidienne? Est-ce qu'on s'intéresse à la communication interculturelle dans le domaine économique? Dans ce cas-là, je recommanderais l'ouvrage de Jacques Patteau sur, je crois que ça s'appelle l'interculturalité, le commerce des cultures, je crois que ça s'appelle. Je recommanderais, il y a l'ouvrage d'introduction de Jean-René Ladmiral, qui s'appelle « Communication interculturelle », je crois que c'est aux presses universitaires de France. Bon, ça, ce sont des ouvrages d'introduction, parfois relativement générales. Moi, j'ai essayé dans ma propre introduction d'introduire le plus possible d'exemples parlants, comme d'ailleurs le roman d'Abla Faroud, pour rendre ça plus intelligible et plus concret. Je recommanderais peut-être l'ouvrage de Tsvetan Todorov sur la conquête de l'Amérique, parce que ça concerne fondamentalement l'interculturel, cette rencontre entre les conquérants espagnols et les Aztèques au début du XVIe siècle. Et Todorov, il réfléchit, il a une façon de décrire l'événement et de l'analyser qui est très intelligible, qui est très concrète. Voilà quelques recommandations. Ben, je viens de proposer déjà une première définition. La communication interculturelle, c'est la dimension communicative des relations entre différentes cultures et leurs membres. Bon, ça, c'est une définition très générale qui n'est pas partagée par tous ceux qui s'occupent de la communication interculturelle, parce qu'il y a un sens étroit de la communication interculturelle qui focalise uniquement les rencontres entre des personnes appartenant à des cultures différentes. Après, se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une culture? Est-ce qu'on appartient à une seule culture? Parce que là, beaucoup de gens n'appartiennent pas à une seule, mais à plusieurs cultures, sont influencés par plusieurs cultures. Mais, définition plus générale, donc il y a une définition étroite, c'est la dimension communicative des relations entre des personnes appartenant à des cultures différentes. Une définition plus large inclurait aussi les médias, notamment, c'est-à-dire la communication médiatisée, c'est-à-dire il y a de la communication interculturelle dans des médias comme la littérature, à la radio, à la télévision, dans des films, dans toutes sortes de médias, on voit des interactions interculturelles, des gens de différentes cultures qui interagissent. Souvent, ça dépend des genres, c'est stylisé, parfois c'est stéréotypé, parfois c'est conflictuel, ça dépend des scénarios, ça dépend des mises en scène. Mais moi je défends plutôt une définition plus large de la communication interculturelle qui vise aussi les médias et toute forme de représentation médiatique.
Moi, j'aurais commencé peut-être par culture. Tout ce qui entoure la culture, le métissage en fait partie, la transculturalité également, les valeurs culturelles aussi. Donc ça, c'est un ingrédient qu'on peut mélanger avec des sauces différentes. L'autre ingrédient, c'est l'histoire. Moi, j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait un doctorat en histoire. L'histoire m'a toujours passionné et je crois qu'on ne peut pas comprendre le présent sans l'histoire. On oublie parfois ça, notamment dans des études comme les études transculturelles et interculturelles, on oublie souvent la dimension historique. Ces études-là sont, à mon avis, souvent beaucoup trop focalisées sur le présent et ce qu'on appelle les pratiques. C'est important aussi, mais pour moi, comme ingrédient majeur, l'histoire est importante. Voilà les deux ingrédients majeurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore ? Faut certainement aussi ajouter le présent, c'est-à-dire l'intérêt du présent. Moi, j'ai toujours essayé, même si mes propres objets d'étude étaient parfois un peu lointains, par exemple les encyclopédies, on peut se demander à quoi ça sert de s'occuper des encyclopédies, mais quand on regarde de près, on voit l'actualité de ce type d'interrogation, c'est-à-dire transfert de savoir, systématisation de savoir, accès du savoir à d'autres, popularisation du savoir, sont des questions très actuelles qu'on peut et qu'on doit poser aussi à partir de sujets historiques. Mais il faut pas oublier, à mon avis, le côté présent et aussi le côté, dans un sens, d'application ou de pratique. C'est-à-dire, il faut s'insérer avec avec sa propre recherche dans des questionnements contemporains. Sinon, on perd le fil, on perd le contact avec le public et on risque d'être délégitimé aussi. Bon, c'est le troisième ingrédient. Donc, culture, histoire et actualité. Et avec culture, il y a ces notions d'interculturalité, transculturalité, métissage, hybridité. Voilà. Bien. Peut-être cette question qui me semble très actuelle aussi dans le contexte contemporain des rapports entre prise de position politique et recherche, ce qu'on appelle parfois la recherche militante. Alors si on me pose la question, est-ce que vous pensez qu'il faut penser la recherche comme recherche militante, je dirais plutôt non. Parce que je pense que toute recherche peut être politique, mais il ne faut pas qu'elle soit militante, il ne faut pas, à mon avis, la mélanger avec des prises de position politiques. Ça me semble dangereux et ça me semble aussi pouvoir délégitimer fondamentalement la science et l'université. Si elle... Bon, c'est un débat qui a été lancé à plusieurs reprises, on pense. Je viens de feuilleter et de lire en partie le livre de François Doss sur Vincennes, Paris 8, et cette université expérimentale qui a fondamentalement défendu cette conception d'une science militante. Mais moi, je pense qu'il faut pas mélanger les domaines. Foucault l'a très bien montré. Foucault, il a fait une œuvre scientifique au sens propre du terme, qui était en même temps politique, parce qu'il a découvert des domaines qui ont été tabouisés, qui ont été marginalisés. Donc il a produit des recherches qui pouvaient servir à des revendications politiques. Mais lui-même, dans son enseignement, mais aussi dans son œuvre scientifique, n'a pas fait de sciences politiques, c'est-à-dire de sciences militantes, contrairement à son œuvre de journaliste, parce qu'il y a toute une
qu'il ne faut pas mélanger. Là, c'est un autre Foucault, le Foucault qui s'est prononcé sur la révolution iranienne, qui s'est prononcé sur le maoïsme dans les années 70. À mon avis, c'est un autre terrain, et lui-même, il a toujours bien distingué sa recherche et ses interventions politiques, qui étaient parfois très militantes. Il y avait certaines relations entre les deux, pour certains domaines, comme les prisons, par exemple, mais dans d'autres domaines, par exemple, il n'a jamais fait de recherche sur l'islam et la révolution iranienne. Il s'est prononcé là-dessus dans le Nouvel Obs à l'époque, mais ça, c'était une prise de position politique. Voilà, c'est la réponse que je donnerai à la question que je me pose parfois aussi. Qu'est-ce que vous pensez du concept d'intellectuel organique et des Gramsci? Parce que donc si vous défendez qu'il faut faire une distinction donc entre la recherche et les prises des positions politiques, qu'est-ce que vous pensez à propos de ça, tenant en compte que par exemple vous avez un concept que c'est le concept de intellectuel philosophe? Quand vous avez étudié Sénèque et d'autres philosophes. Ça dépend ce qu'on entend par intellectuel. Intellectuel organique, pour Gramsci, c'est quand même une personne qui est étroitement, disons, qui se veut porte-parole d'une revendication populaire. C'est comme ça que je l'ai compris. Moi, je ne suis pas spécialiste de Gramsci, mais je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'intellectuel organique, qui se met à la tête d'un mouvement populaire. Oui, bon, c'est une des positions possibles de l'intellectuel. L'intellectuel a souvent, pas souvent, mais de temps en temps, occupé ce rôle d'intellectuel organique. Mais il y a d'autres positionnements de l'intellectuel qui ne sont pas organiques. Foucault, par exemple, c'était un intellectuel. Selon lui, il était un intellectuel spécifique parce qu'il s'est occupé de domaines très spécifiques, la sexualité, l'homosexualité, les prisons, etc. Donc, intellectuel spécifique, mais pas du tout organique. Il a toujours refusé de parler pour le peuple. Il trouvait que c'était extrêmement dangereux de s'arroger ce rôle-là, d'occuper ce rôle-là. Est-ce que vous pensez aussi, c'est-à-dire, quand vous avez posé votre question, vous pensez le terme d'intellectuel aussi en termes de scientifique ou d'universitaire? Moi, je pensais plutôt à l'idée, cette idée d'un intellectuel engagé, parce qu'il a... Engagé, oui. Ouais, il a quand même cette notion dans ce concept. Et ce que je m'interroge aussi personnellement, c'est la perte de la légitimité de l'intellectuel dans la société. Donc, l'intellectuel qui auparavant était quand même appelé pour parler d'un sujet précis. Donc aujourd'hui, donc on voit de temps en temps dans les médias les intellectuels, les spécialistes invités pour parler d'un sujet, mais les intellectuels n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient d'antan. Donc oui, bien sûr. Bon, c'est lié à la transformation médiatique. Ouais. C'est-à-dire la perte d'influence des médias traditionnels. L'intellectuel est quand même étroitement lié à l'écriture, à l'imprimé, à la presse, à la littérature également, à la philosophie, c'est-à-dire à l'espace de l'imprimé. Après, il y a eu certains intellectuels qui se sont servis de la radio, comme Sartre. Pas de la télévision, parce qu'en plus Sartre n'était pas très médiatique. Là, il s'est toujours mal présenté à la télévision, paraît-il. Donc il a utilisé l'imprimé et la radio. Mais c'est vrai, depuis une vingtaine d'années, avec la transformation médiatique, avec Internet, il y a une perte d'influence des intellectuels. Et là aussi, il faut voir ce qu'on entend par intellectuel. Alors, est-ce que c'est
les intellectuels au sens sartrien, c'est-à-dire une personne indépendante qui ne fait pas partie d'un parti politique, qui se prononce de manière engagée sur des domaines qui, en principe, ne le concernent pas directement. Donc, il faut le distinguer de l'homme politique, mais il faut le distinguer aussi de l'expert, c'est-à-dire de l'expert scientifique qu'on invite pour avoir une opinion fondée sur quelque chose. On peut aussi parler d'une perte d'influence des experts dans l'espace médiatique, pas seulement des intellectuels. Parce que beaucoup de gens se croient experts dans des domaines dont ils connaissent rien du tout. Pensons à la crise du coronavirus, par exemple. Il y a une multiplication des experts. Et on a tendance à moins écouter les experts qui le sont véritablement parce qu'ils ont fait des recherches dans ce domaine. Mais là, je suis d'accord avec vous. Il y a une perte à la fois de l'influence des intellectuels et des experts. Et ça, c'est lié à la transformation médiatique, je pense.